5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. And liftoff of the 22nd SpaceX cargo resupply mission, bringing new solar arrays to the International Space Station. Stage 1 proportions nominal. Nous le premier pays parmi 26 countries qui envoie un satellite dans l'espace. C'est un grand honneur pour nos pays. C'est pour la première fois dans l'histoire l'île Maurice envoie un satellite dans l'espace. Et là, tout bien passé. Satellite est sorti depuis launching pad en Floride et en route vers l'espace, et aujourd'hui jeudi les pour rentre sur ISS qui est le International Space Station samedi vers 7h du matin. Et là l'étape prochaine c'est que vers le 22 ou le 23 juin un astronaute qui sur ISS et un astronaute japonais qui prend nos satellites et je pourrais voler dans orbite. Et de là, pour faire ce process qu'il faut faire, et à peu près un mois, quand il pourra aller dans orbite, nous pouvons commencer à recevoir une première photo de nos satellites. Et Maurice, avec cet événement-là, il rentre parmi la ligue, comme on appelle les autres, Spacefaring Countries. Alors c'est un jour historique, mémorable et un grand honneur pour tous les Mauriciens et Mauriciennes parce que pour la première fois, nous trouvons nos quadricolores dans l'espace. Miko. Stage separation confirmed. Inbag ignition. And we have confirmed contact and soft capture at 4:09 a.m. Central Time as the International Space Station and Cargo Dragon were flying 258 statute miles over the South Pacific Ocean. The African Republic of Mauritius, a small island nation in the Indian Ocean east of Madagascar, will now become a space-faring nation.